Cet endroit est gigantesque. On commence par où? Ben, on commence par trouver un moyen d'entrer. Après, on fera la visite complète. Est-ce que tu crois qu'il y a une alarme? On trouve un moyen d'entrer sans avoir à casser une fenêtre. Donne-moi ta main. Super, tu t'en sors bien. Bien, suis-moi. Tu viens, Nathan ? Deuxième. Alors, est-ce qu'on cherche une pièce en particulier? Essaie de trouver des livres, des carnets, de la documentation, des journaux. Ce genre de trucs, tu vois. Non, rien ici. Non. Je crois qu'on trouvera rien dans ce grenier. Y a que des vieux trucs pour voyager et faire du camping dans ces boîtes. Et c'est parti! Alors, comment on les retrouve? Quoi, les carnets de maman? Tu t'en souviens pas? Elle utilisait toujours une reliure en cuir dans la cassette. Ouais, ça je sais, mais cet endroit est tellement grand. C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Eh ben voilà, du cuir blanc. Sam, j'en ai trouvé un. Sérieux? Non, c'est pas un carnet de maman. Il y avait de l'idée quand même. On continue. Hé, hey, ces boîtes-là, elles te rappellent rien? Tous les endroits où on a vécu. Exactement. Je me rappelle que papa disait tout le temps, pourquoi se fatiguer à déballer? On va redéménager dans un mois. Ouais. Toujours à dire des conneries. Ça veut pas bouger. Bien, on va pousser à deux. T'es prêt? On dirait une sorte de sarcophage, non? On dirait... T'as vu ça? Cet endroit est carrément rempli de sarcophages. De sarcophages. Sam... C'est du sérieux. Où est-ce qu'on est tombé, là? Allez. On va voir plus loin. Celui-ci est romain.
du 3e ou peut-être du 4e siècle. Et celui-là, il te parle ? Je crois que j'ai déjà vu un truc dans le même genre. Des personnes allongées. C'est étrusque ? Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Hommes et femmes enterrés ensemble. C'est bizarre. Et en même temps, c'est magnifique. Ouais. C'est incroyable, on se croirait dans un musée ici. Et tu crois qu'ils ont une aile de dinosaure ? Bah, ça m'étonnerait pas. Tiens, tu veux me faire plaisir ? Quand je serai mort, enterre-moi dans un de ces trucs. Bien sûr. Et je peux te momifier et mettre tes organes dans des pots, si tu veux. Bah, tout réfléchi... Peut-être pas. En voilà un autre. Non. D'après ce que je vois, je dirais qu'il s'agit d'un ancien lave-linge séchant de Mésopotamie. Ah, j'ai toujours eu le sens de l'humour, je le sais. Hé, hey, Nathan, regarde-moi. Alors, qui je suis ? Hein ? Le docteur Livingstone ? Oh, t'es nul ! Sympa. Incroyable. Je sais pas ce que je donnerais pour avoir une invitation. Aller où tu veux dans le monde. Où est-ce que t'irais ? Où je veux ? Où tu veux. Ben... C'est parti. L'Inde. Ouais, on visitera le Taj Mahal. Ça tourne, ça tourne. L'Union soviétique. On part pour Moscou. Ça risque d'être un poil difficile pour rentrer. J'ai toujours rêvé de voir la place rouge. Allez, on va essayer. L'Angleterre. C'est sûr que ce serait cool de voir le château de Windsor. T'es d'accord, Sam ? Hé, me regarde pas comme ça ! C'est pas ma faute si t'étais pas encore né. De toute façon, je me rappelle pas grand-chose. Et puis, c'était pas si génial. Allez, encore un dernier tour. Le Brésil. Là, ça m'intéresse. Il y a tellement d'endroits inexplorés dans la forêt tropicale. Il y a aussi beaucoup de tribus inconnues avec des flèches empoisonnées. Ouais, c'est pas faux. Hé, hey, regarde ça. Allez, César. Des totems de fertilité. T'es pas un peu trop vieux pour faire ce genre de blague ? Waouh ! Cette table est aussi grande que celle du réfectoire de l'orphelinat. Je parie que la bouffe était meilleure ici. Ouais, ça c'est pas difficile. Eh bah dis donc, ils ont dû organiser des fêtes de folie ici. À en voir les artefacts, je dirais qu'ils avaient largement les moyens. Ouais. En tout cas, ça doit faire un bail qu'ils ont pas été. Une armure de tournoi. Sûrement française. Hé. Hey, tu ferais mieux de pas trop t'approcher des fenêtres avec ta lampe torche. Toute seule maintenant. Un gong de dragon. Ça doit venir d'Asie du Sud-Est. Sympa.
Hey, regarde, ils ont même ton livre préféré. Ah bon? Lequel? Ton encyclopédie de référence, Histoire générale des plus fameux pirates. Tu veux dire l'histoire générale complètement inventée? Même le nom de l'auteur est bidon. Bidon ou pas, on dirait bien une édition originale. T'es pas sérieux? Tu sais, cet endroit, c'est... waouh. Est-ce que tu veux qu'on l'emporte? Non. Ce serait vraiment dommage qu'il s'abîme dans mon sac. Hey, sympa. Ça met un peu d'ambiance. Depuis quand t'aimes la musique classique, toi? Depuis, j'ai pris conscience que j'avais des goûts extrêmement variés. C'est une lettre? Du moins, ce qu'il en reste. Quelqu'un voulait leur acheter tout ça. Faut croire qu'ils ont dit non. Samouraï. Hey, tu reconnais le signet? Les feuilles de rose trémière. Attends, ne me dis rien surtout. Le clan Tokugawa. Ouais, bien joué. Ok. Je crois que c'est pas ici qu'on trouvera les journaux de maman. On devrait peut-être aller voir à l'étage. C'est fermé. Les affaires de maman sont peut-être dans une de ces pièces. Faut trouver un moyen d'entrer. Hé, tu vois ce conduit? Là-haut. Oh, waouh. Il connaissait Amelia Earhart. C'est pas vrai. Bah, dis donc, il connaissait vraiment du beau monde. Ah ouais, il pourrait nous permettre d'accéder à la pièce en dessous. Pas nous. Toi. Quoi? Bah, moi je rentre pas là-dedans. Tu crois que tu peux le faire? Tu rigoles ou quoi? Tu crois que tu peux le faire? Super. Et bah qu'est-ce que t'attends alors? C'est bon, prêt. Appareil photo. Ouais, fais voir. Il a l'air de fonctionner. Hé, approche. Et souris pour une fois. La perds pas. Eh, hey, fais attention. Ok. Ça y est, j'y suis. Tu peux ouvrir la porte? Deux secondes.
t'imagines à la place de celui qui a découvert toutes ces choses? Ouais. C'est clair que c'est pas rien. Ok. De la codéine. Il y a beaucoup d'antidouleurs. T'as trouvé? Il n'y a pas de journaux là-dedans. Ok. Il nous reste encore une porte à déverrouiller. Viens. Non. Waouh. Sam, t'as quelque chose ? Les richesses du paradis ? Du Gunsway. Hé ? Alors, qu'est-ce que t'as trouvé ? Je l'ai jamais vu, celui-là. Ouais, t'as raison, moi non plus. Est-ce que... Oui, c'est bien l'écriture de maman, ça ? Main en l'air, jeunes gens. Tout doucement. Oh là, attendez, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il tient là ? Pointez votre arme sur moi. Tu vas me prendre mon journal. D'accord, d'accord. Désolé, Nathan. Et maintenant ? Maintenant, on attend l'arrivée de la police. Vous êtes vraiment sûr de vouloir vous infliger ça pour si peu ? Arrêtez. Gâcher la vie de deux enfants, ça risque de vous torturer un bon bout de temps. J'aimerais mieux éviter de vous tirer dessus. S'il vous plaît, madame, laissez-nous partir. On n'a fait de mal à personne. Vous devez apprendre à assumer les conséquences de vos actes. Alors je reste et il part. Je l'ai amené ici pour qu'il puisse voir les affaires de notre mère. C'est tout, il a rien à voir avec tout ça. Quoi ? Je vous dis que c'est moi le responsable. Non. Les affaires de votre mère ? Oui, ce journal, il appartenait à notre mère. Vous êtes le fils de Cassandra Morgan ? Oui. Bonjour. Oh mon Dieu ! Mais j'aurais pu vous tuer ! Oui, et d'ailleurs, vous le pouvez encore, alors... vous vous permettez ? Vous connaissiez notre mère ? Elle travaillait pour moi. Comme vous l'avez sûrement constaté, je suis une grande collectionneuse. Ben, avec tout ce qu'on a vu, c'est peu de le dire. Et donc, maman était votre traductrice ? Votre mère était l'historienne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée.
Nous aurions pu faire tant de choses ensemble. Mais elle est tombée malade. Désolé. Non, vous en faites pas. C'est arrivé il y a très longtemps. Elle a fait tant de découvertes. Mais celle-ci aurait été son plus grand triomphe. Sic parvis magna. La grandeur des petits débuts. La devise de Sir Francis Drake. Ouais, le latin et les personnages historiques. C'est de ça qu'on parlait à tous les dîners. On était une drôle de famille. Vous avez-elle parlé de ces théories concernant Sir Francis Drake et ses héritiers? Sir Francis Drake n'avait pas d'héritier. C'est ça. Ouais. Ça, c'est la version officielle de l'histoire. Mais votre mère et moi avions une autre théorie. Découvrir les secrets de ce vieux pirate est encore une aventure à laquelle je dois renoncer. Je dois renoncer à tant de choses. Pardonnez-moi. Les divagations d'une vieille femme. Tenez. Il vous appartient tout autant qu'à moi. Et qui sait? Peut-être que vous parviendrez un jour à terminer ce qu'elle avait commencé. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc... vous nous laissez partir, hein? Oui, je vais m'occuper de la police. Vous avez réussi à entrer. Alors vous trouverez bien un moyen de sortir, hein? Ouais. Oh, attendez. Oh. C'est très gentil. Désolé pour le désordre. Mm. Bon, allez, tu viens, Nathan. On y va. Oh. Et vous allez bien? Oh, putain de merde! Non, 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 non! Hé! 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 Sam? Sam? Oh, c'est pas vrai! La police! Est-ce que ça va? Nate, il faut qu'on parte! On peut pas la laisser là! Si! Il faut qu'on se tire d'ici! Mais il faut qu'on fasse quelque chose! On peut plus rien faire pour elle! Allez, il faut qu'on y aille! Si jamais les flics nous trouvent ici, ils vont... Madame? Nathan! Il faut qu'on y aille! Tout de suite. Oh merde! Par là, la fenêtre, allez! Bon, ok, toi tu vas voir à l'étage, toi, regardez-moi. Dépêche! Attends. Thank you.
pleine ordure. Là. Ok. Allez, dépêche! Allez, accroche-toi! Je crois qu'on est tiré d'affaire. Bon, et si on reprenait un peu notre souffle? Sacrée nuit, pas vrai? Sacrée nuit. Ouais. Cette vieille dame... Hé, écoute-moi bien. Ce qui est arrivé n'était pas notre faute. Tu sais, cette vieille dame... Elle était... malade. Et c'est normal que tu te sentes pas bien. Mais on n'aurait rien pu faire pour elle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu peux pas retourner à l'orphelinat. Et tu peux pas retourner au boulot. Alors on s'en va. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis sérieux. Ok, on met les voiles et on s'arrête pas avant d'être vraiment, vraiment loin. D'accord. Et la police nous retrouvera en un rien de temps. Sauf que la police recherchera Nathan et Samuel Morgan. Bah, nous, quoi. Plus pour longtemps. Nathan. Quand on était là-bas, tu as démontré que tu en savais autant sur tout ça que cette pauvre vieille dame. Écoute, j'ai toujours pensé qu'on était promis à un destin extraordinaire. Mais jusqu'à ce soir, je savais pas pourquoi. Mais ça, tu vois, le travail inachevé de maman, c'est une opportunité de tout recommencer à zéro, avec une nouvelle identité. De quoi est-ce que tu parles ? Je connais deux ou trois types. Plutôt doué pour faire de faux papiers. Pour ce qui est de notre nouveau nom... Eh ben, maman pensait que Francis Drake avait des héritiers. Qui peut prétendre le contraire? Tu plaisantes, là. T'es sérieux? Nathan, tu vois pas que c'est notre destin? Je peux te promettre que toi et moi, tous les deux, on ira super loin. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Nathan Drake. Plus rien n'a été pareil après ça. Et on a fini par devenir des explorateurs, des aventuriers. Et plus exactement des voleurs. Ok, mais arrête de bouger. Et pendant un moment, j'avais l'impression que... Les seules fois où on n'allait pas en prison l'un après l'autre, c'est les fois où on y était en même temps. Alors, quand je l'ai perdu, je voulais... Ou plutôt quand j'ai cru que je l'avais perdu. Tu voulais pas faire ressurgir ce souvenir. C'est à peu près ça. Je t'ai tout dit. Tu sais tout, maintenant. Te connaissant, ça m'étonnerait que je sache vraiment tout. Mais... Merci, quand même. Dis-moi ce qui te trotte dans la tête. Je me dis que t'as vraiment eu de la chance que je t'ai trouvé quand je t'ai trouvé. Je suis bien contente que tu sois juste un peu amoché. Sinon, j'aurais vraiment galéré pour te sortir de là. Mais comment t'as fait pour... Comment tu m'as trouvé? Oh, c'était facile. J'ai eu qu'à chercher d'où venaient les coups de feu. Non, je veux dire, comment... T'es arrivé là? Ah. Bien sûr. Tu me reçois, Sully? Salut, ma belle. Comment il va?
Oh, tout va bien. Il est un peu assommé, mais il est vivant, comme à chaque fois. Maintenant, va falloir aller chercher le deuxième Drake. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nate va te raconter. Salut, vieux. Content que tu sois là. Bon, je voulais pas rater ça. Il est où, Sam ? Rafe l'a emmené. Merde, tu sais où ils sont ? Oui. Je sais qu'ils se dirigeaient vers le nord de l'île. Essaie de trouver un endroit où te poser dans ce coin-là. Une fois qu'on aura Sam, faudra qu'on puisse se tirer d'ici en vitesse. Bien sûr. Hé ! Qu'est-ce qu'on fait du trésor ? Laisse tomber. Trop compliqué. Mais Alcazar ? Non, en réalité, y a aucun Alcazar. C'était des conneries. Attends, tu veux dire que... La dette, le... L'évasion ? Oui, Sam a tout inventé. C'est qu'un sale enfoiré. Bon, je te raconterai tout ça en détail quand on se retrouvera, d'accord ? Ouais, j'ai hâte. Allez, faites pas de conneries. Tu nous connais. Pour toi. Merci. De rien. Non, je veux dire... Merci de m'avoir sauvé. À nouveau. J'ai failli pas réussir cette fois. Je sais. On décolle ? J'ai trouvé un véhicule. Alors, on se dirige vers le nord de l'île, si je comprends bien ? À New Devon, le berceau des fondateurs de Libertalia. Et c'est à cet endroit que Rafe se rend avec ton frère. Le trésor doit se trouver là. Il faut juste qu'on sauve Sam avant qu'il mette la main dessus.